Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Francis Ngannou s'est imposé par KO contre Ronan Ferreira au PFL. John Jones n'a pas manqué de réagir à la victoire du Camerounais. Ce samedi en main event de la soirée, Battle of the Giants, organisé par le PFL, Francis Ngannou a régalé. Plus de 2 ans et demi après son dernier combat en MMA, le prédateur a claqué le KO au premier round sur Ronan Ferreira dans une position dominante au sol. Le colosse camerounais, ancien champion UFC, s'empare donc d'une nouvelle ceinture avec le PFL. Par ailleurs, Francis Ngannou améliore son bilan à 18-3 en MMA, lui qui n'a plus perdu depuis 2018 dans cette discipline. Il faut dire que le succès de Ngannou ce samedi au PFL a fait réagir beaucoup de monde, même John Jones. L'actuel champion heavyweight de l'UFC n'a pas manqué de féliciter le Camerounais pour sa performance. C'est bon de le voir briller. Quel travail incroyable Francis a fait ce soir, il a montré un jeu de MMA complet. De superbes coups de pied, de superbes takedowns. C'est bon de le voir briller. Wow, félicitations champion, je te vois, a écrit John Jones sur X. John Jones, un nom que Ngannou aimerait affronter justement. En interview post-combat ce samedi, le prédateur n'a pas caché son envie de défier l'Américain. Combattre contre John Jones, c'est un combat que j'ai toujours demandé. On attend les opportunités. Si je devais choisir mon dernier combat, ce serait lui, a lâché le natif de Bâtier après sa victoire par KO. En attendant, John Jones va prochainement affronter Stipe Miocic à l'UFC 309, pour tenter de défendre son titre des poids lourds. Dans ce qui pourrait être le dernier combat de sa carrière. Que pensez-vous de la réaction de John Jones?